Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épreuve orale du bac de français. Alors comment réviser l'épreuve, qu'est-ce que j'ai révisé personnellement et quels sont les résultats que j'ai obtenus? Donc comment réviser l'épreuve? Bah c'est simple, connaissez les plans qui sont liés à vos œuvres, mais ne les récitez pas par cœur. C'est-à-dire, vous devez connaître ce qu'il y a dans vos fiches, enfin ce que vous avez fait, vous avez toujours des textes et des analyses qui vont avec. Vous avez étudié le texte avec telle intro, tel plan, mais c'est toujours lié à telle problématique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la problématique, il y a des chances qu'elle change le jour du bac. Si c'est la même, tant mieux, gardez vos idées que vous avez appris par cœur. Mais il faut toujours laisser part un peu à... Faut pas vous dire, ah, t'es, je tombe sur le texte numéro 17. Texte numéro 17, il fallait dire ça, ça, ça et ça, sans se rappeler de la problématique, vous écrivez bêtement et tout. Il faut savoir s'adapter, nuancer, et surtout ce qu'elle va évaluer, la prof, parce qu'elle va parfois donner plusieurs fois le même texte, c'est votre capacité à vous adapter. Si vous récitez tous la même chose, bah, le premier, il aura une bonne note, parce que voilà, c'est le premier à être passé dessus, ça ira. Mais si vous êtes deuxième ou troisième à répéter la même chose, bah, la prof en face, bah, elle va s'ennuyer, elle va dire, ouais, c'est bon, ils répètent tout ce qu'ils ont appris par cœur. Ce qu'ils évaluent en fait, c'est votre capacité, on va dire, à vous adapter, à comprendre ce que vous dites et aussi à vous exprimer. C'est-à-dire, si c'est pas votre parole, en fait, si vous rapportez la parole de quelqu'un, ça va sentir à l'oral quelqu'un qui a appris par cœur, qui débite, qui débite, qui débite. Et dès qu'il y a l'entretien qui commence et qu'elle vous pose une question, bah, vous savez pas, vous savez pas, vous savez pas. Et ça, c'est vraiment un des grands dangers parce que même si vous avez appris par cœur vos textes et que vous le récitez, ça vous assure pas forcément une bonne note et même loin de là, ça peut être le contraire. Justement, elle va se dire, ah, bah, il a eu des points sur la partie récitation, enfin, savoir citer son texte. Mais après, dès qu'il a une partie réflexion, bah, ça valait rien. Après, si vous avez les deux, si vous apprenez par cœur, que vous arrivez à l'adapter et qu'en plus vous êtes réactif à l'entretien, bah, c'est tout bénef pour vous, vous aurez une bonne note et ça peut être cool. Mais surtout, si jamais vous avez une mauvaise note, vous en voulez pas parce que vous êtes noté sur un instant. Donc peut-être vous avez une note au bac blanc qui était satisfaisante et là vous aurez une mauvaise note. Ou inversement, peut-être vous avez une mauvaise. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit avant? Une bonne note au bac blanc, une mauvaise, enfin l'inverse, une mauvaise, une bonne, ou peut-être une note moyenne, vous allez avoir la même note, ou à peu près la même chose. Donc tout est possible le jour du bac, et en plus c'est à l'oral sur 10 ou 20 minutes, je crois, donc utilisez au mieux votre temps de préparation, et surtout soyez réactif dans l'entretien, faites bonne figure, faites bonne impression, et voilà, ça dure 10 minutes, je vous souhaite à tous que ces 10 minutes se passent bien pour ceux qui vont le passer. Personnellement, j'avais eu, comme pour l'écrit, 14, enfin en français j'avais eu 14 et 14 au blanc. Et au vrai, j'ai eu 12 et 12, enfin écrit oral. Et j'étais tombé sur un texte que j'aimais bien, allant, comment dire, au blanc. Et au vrai bac, je suis tombé sur un texte que je maîtrisais pas spécialement. Enfin, je l'aimais sans plus, quoi. Il y avait des textes que tu voulais pas tomber dessus, t'as des textes sur lesquels tu veux absolument tomber, t'as des textes qui sont au milieu, c'est-à-dire tu tombes dessus, bah t'es indifférent. Et ça en faisait partie, c'était. Je sais même plus ce que c'était. C'était une scène où t'as un maître et un valet, t'as le valet qui est au-dessus d'une armoire, donc il est en supériorité spatiale, donc il en profite pour dire tout ce qu'il veut au maître, et le maître est en contrebas, il lui dit vas-y, descends de l'armoire et tout. Si vous avez le titre de l'œuvre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, là comme ça me revient pas. Bon bref, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, révisez bien votre oral, révisez bien votre écrit, travaillez bien vos TPE, et je vous dis tous à la prochaine fois. Ciao tout le monde!